Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que me retrouve à tous les matins sur Télécréole pour se causer La Réunion en direct depuis le sud de La Réunion et me remercie à toutes là, les toujours nombreux et nombreuses derrière ce poste de télévision en regard à nous, sinon ça sur les réseaux sociaux, partout ça, ils suivent à nous, me disent tiens, bon, largue pas, reste bien calé, nous les aujourd'hui, vendredi, c'est le dernier journal, dernier causé de la réunion de la semaine. Donc, j'espère que vous allez bien en profiter de la semaine et pour ce week-end qui arrive, c'est vrai que nous sommes un peu dans le couvre-feu, tout ça là, avec des restrictions sanitaires clés en place. Il faut essayer de respecter un petit peu, d'après ce que Bana a dit. Et puis, prendre notre mal en patience, hein, peut-être un de ces quatre, Bana enlève tout ça, mais comme il dit souvent, c'est pas aujourd'hui la veille. Aujourd'hui, c'est nous parle, nous salue le Ben Dallon musulman là, qui est à la Réunion. Cette, il attaque le Ramadan. Mais c'est un bon Ramadan à Azote. Hein. C'est vrai que m'avait regardé un petit peu dans la télé, puis m'avait vu aussi sur le journal. N'est pas facile pour Azote, hein, donc surtout avec la crise du Covid 19, clé bien enclenchée ici à La Réunion et puis dans les mosquées, tout ça, on a des restrictions et puis bon, faut bien balayer en sorte d'azote quand même, on a bien calculé les autres affaires. Bon, en tous les cas, monsieur d'azote, un bon Ramadan. Nous va passer à ce qui concerne l'actualité dans notre pays, La Réunion, avec la dengue, clé banal a recensé à plus de 1000 cas de dengue. Apparemment, ils ne gagnent pas mettre la main sur le bon affaire pour faire passer ça, le bon technique, hein, pour faire arrêter la dengue. C'est vrai que tout le monde, du coup, vers le Covid-19, l'a oublié un petit peu ce maladie-là. Et surtout dans l'Ouest, là-bas, les patients, les atteints de dengue, là, en forte augmentation. On a des médecins là-bas depuis plus de 15-20 ans installés dans le même quartier. Ils remarquent que la dengue, y apparaît sous plusieurs formes, hein, des formes plus ou moins graves. Et ça, il tracasse azote un petit peu pour soigner. Il est assez compliqué. Peut-être la dengue aussi, lui la mettre lui à l'ordre du Covid-19. Peut-être aussi que lui la il a aussi ses variants, puisqu'on a plusieurs types de dengue. Alors, il prévient les azotes, donc essaye de faire la téléconsultation. Au lieu de venir directement dans le cabinet, la dengue, il paraît que c'est une affaire qui peut attraper entre autres. Donc là, c'est contagieux, donc fais attention. Pas me dire des conneries, mais je crois bien que les contagieux, bien nos affaires. Nous va passer aussi avec les 15 000 doses de vaccins Johnson et Johnson qui est maintenu pour la Réunion. Vaccin Johnson et Johnson, je rappelle à l'autre, pas trop longtemps, une polémique là-dessus, hein, sur ce vaccin-là, par rapport à un petit peu comme l'AstraZeneca, on a détecté que ce vaccin-là, il donne des thromboses, hein, un peu comme certains médicaments comme la pilule, les femmes habituées, les madames habituées à prendre là, il pose des problèmes. Donc, n'a pas annulé l'importation de ce vaccin-là, malgré les affaires qu'on est en train de dire, hein, les thromboses. Mais même les États-Unis aussi sont en train de faire une enquête là-dessus en fonction des personnes que l'a gagné ces affaires-là. Donc, il faut faire très attention. Et puis, il veut dire que le gouvernement français, apparemment, il n'est pas avec ça. Hein. Tout du moment, s'il fait une IA et l'y attendent pas, il est pressé, essaye de faire ça sur nous. Et il y a beaucoup de monde en train de crier. Nous, on entend partout, dans le journal, dans la radio, tout ça là. Il a toujours voulu prendre un nouveau de cobaye, mais en fin de compte, le Johnson Johnson, il confirme à chaque fois ce que Ben a dit. Hein. Donc, il faut faire très attention à ça. Apparemment, pas des autres, n'allez pas. Allez pas mettre de vaccin non plus, hein. Donc le vaccin apparemment il est important pour The Moon, hein. Si ils y mettent pas pour ça ils veulent voyager bientôt là, ce sera la crise vous autres, hein. Vous avez envie d'aller qu'on va rouvrir les frontières, ça ne gagnera pas, allez. Saurait se mettre des vaccins uniquement pour pour avoir le passeport vaccinal, c'est tout. Hein. On pense que le vaccin il est là pour peut-être protéger un petit peu de monde, protéger quand celui-là gagné le Covid, c'est un peu moins fort pour vous, mais lui protège pas à 100%, bien sûr. Hein. On peut mettre le vaccin et gagner des
gagner, regagner le Covid-19. Hein, donc partout, on a écrit sur ça. Donc. Et puis nous avons aussi le variant brésilien. Là, ça a commencé depuis un certain moment. Et tout le temps, ils parlent à nous de variant brésilien. Mais il y a plusieurs types de variants. À chaque pays, quasiment, il y en a son variant. Et ce variant brésilien-là, il attaque pas seulement le monde entier, il attaque aussi les gens de la Guyane, département français, là-bas, les bornés avec le Brésil. Le Brésil, et là-bas, il paraît que c'est la catastrophe au maximum des centaines et des centaines de cas de personnes qui sont atteintes du Covid-19 avec le variant brésilien. Et donc la France, face à ce danger-là, le danger du variant brésilien, le ministère de l'Intérieur l'a annoncé sur plusieurs journaux en France, là-bas, sur la télévision, partout, la mise en place des tests antigéniques, anti-Covid obligatoires pour les voyageurs qui sortent du côté de la Guyane. Hein, territoire-là, mais il pense que Banane aurait dû mettre ça bien avant les tests que Banane met en place pour les Guyanais, hein, les tests antigéniques, là. Il était prévu aussi de mettre ça depuis bien avant, mais comme Zati connaît et comme nous connaît aussi, la France, c'est un pays au ralenti, on au ralenti quand il s'agit de prendre des décisions, il faut passer par plusieurs ministères et à la fin, le mouna finement quand il donne l'autorisation. Donc, on a plusieurs ministères. On est là un exemple, quand le préfet il annonce une affaire, un couvre-feu, une affaire, il faut passer par le ministère des Outre-mer. Le ministère des Outre-mer passe encore par un autre ministère encore pour voir s'il est conforme, pour pas que Zati gagne sur les doigts. Parce que il porte plainte aussi contre Zati aussi. Les gens, ils portent plainte contre le gouvernement. Ça veut dire moins que le gouvernement, quand il porte plainte contre lui, c'est David et Goliath. Hein, donc, il est un peu compliqué ou risque pas de gagner. Donc, il faut passer par des protocoles. Et voilà. Et si m'y revient un petit peu, m'avait dit Azat aussi, hein, la dengue, Banane avait trouvé le vaccin justement pour soigner la dengue. Et apparemment, l'agence du médicament, les personnes qui occupent de ça, pas avec ça, l'a pas mettre en place. Mais apparemment, je vois pas l'utilité. Je note cette raison. Peut-être qu'on a des informations que les autres la pointent non plus. Hein, dans la presse, en tous les cas, ils disent à nous que le vaccin contre la dengue y existe bien depuis 2019, qu'il n'a pas été mis en place du tout. Nous va quitter la dengue. Virus et dengue, c'est quasiment la même chose, hein, les deux tuent le monde. Donc la dengue, si on gagne ça, ou risque d'aller à l'hôpital là-bas, et il peut avoir des formes graves, et on peut mourir aussi avec, et les comme ainsi de suite, hein, comme le Covid, hein, et comme quasiment beaucoup de virus, hein, des virus, nous ne connaît pas, il tardera pas quand on aura fini avec Covid, là, nous, un autre virus, il sort je ne sais pas où là-bas, pour machin. Et puis la France aussi, la France, m'avait dit ça cette semaine, il est en plein dans la troisième vague hein, avec plus de 99 000 morts, plus de 100 000 morts et près de 6 000 malades que les services, les soignés là-bas dans les services de réanimation. Troisième vague, il montre pas non plus des améliorations dans l'hôpital, des améliorations pour les malades qui sont atteints de Covid-19 là-bas. Et puis, normalement, hier, on n'a pas gagné le temps de regarder, parce que c'était un petit peu tard hier soir, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, pays la France là-bas, il devait intervenir. Il y a des médias là-bas pour parler un petit peu, hein, une possibilité de réouverture des restaurants, des hôtels, des établissements qui étaient dans le malaisé, que les autres mettent dans le malaisé depuis au début. Hein, donc, là, en train de parler, nous essayons de toucher un petit mot lundi, sinon ça, les autres médias vont parler de ça, ça va bien voir. Et c'est vrai que le secteur de la restauration, elle a pris un bon coup, bien comme qu'il faut, là, et donc... il essaye de dire, bon, il va essayer de faire un geste, hein, donc il n'est pas évident pour lui non plus. Et maintenant, on nous va dire aussi, certains disent c'est la période électorale, et dans la période électorale, nous connaît, il ne faut pas trop croire, un peu sur ce bout politique, là, il dit, puisque la plupart du temps, c'est pour gagner le petit plat, ça va pour gagner le mandat, il ne fait pas rien avec nous, hein, donc les annonces politiques que les faits, il fait là, donc les gens n'y croient pas trop, hein, donc c'est juste un coup de bluff pour dire, bon, les 27... bientôt là les régionales y approchent, après là les présidentielles aussi approchent, on est là-dedans aussi, et donc tout le monde y va de son affaire, hein, pour dire ce qu'on fait, ce qu'on fait. D'ailleurs hier nous avait vu un bouc appel à moi, Fabrice qui avait appel à moi, dit moi tes gars, ça fait des immeubles en bois, comment il fait?
Il habite pas dedans, si tu te fais prendre, hop, moi, il fait, non, mais les immeubles en bois, on va traiter, t'inquiète pas, mettre produit anti-incendie dedans, je sais pas, moi, comme la moquette dedans de notre boîte de nuit, bah, voilà, un petit peu les affaires. Bon, bah, après, on voit des choses comme ça, des très intéressants, hein, et en plus, faire des immeubles en bois, bon, bah, des immeubles en bois, bah, mais reviens là, on va revenir sur Maurice, là, sur le Covid, faire des immeubles en bois, les biens, mais où j'ai de bois. C'est ça, mais pas vraiment la question. La Réunion, point de bois, la pandémie, au maximum, là-bas au Brésil, le monde du travail par rapport dans certains pays, par rapport à ce Covid-19-là, ben, quand ça finit de couper toutes les bonnes plantations, les bonnes pieds de bois que vous mettez en place, là, bon, il faudra trouver une autre solution. Après, il dit à nous aussi, c'est par rapport au manque de galets, il a pu galer. Bon, ben, ça, il a pu galer. C'est même ça, Jason Marmaille, construit en bois, hein, okay, pas mal. La prochaine fois, fait comme dans certains pays d'Afrique, construit en bouteille. Hein, vous connaissez bouteille en verre, ben, là, ils mettent ciment et ils montent des murs en bouteille. Donc, il paraît, ils m'avaient vu sur Internet les jolies affaires, les pas galets. Bon, mais un immeuble de 20 étages en verre, c'est compliqué. Hein. Même en bois, c'est compliqué non plus. Hein. Donc, faites très attention à ça. Celle-là râle son taf, comme son affaire. Non, le truc, là, mettre la langue sur le côté, là. Mi caricaturisme, en vrai, hein, donc, pas comme ça. Non, on donne une norme de sécurité en plus. Hein. Si la langue, son affaire à côté, de faire prendre dans bras, ça. Nous va ferme là-dessus, nous fait une petite parenthèse, juste pour rigoler, hein, voilà, rien contre les personnes qui veulent faire ça, au contraire, c'est des idées que ils mettent en place. S'il a réussi, tant mieux, s'il n'a pas réussi, ben, tant pis, et comme d'habitude, nous fait avec. Alors, nous va passer à l'île Maurice, là-bas, l'île Maurice avec le Covid-19. Bah aussi, maintenant, il gagne le choc, il gagne la dose comme qu'il faut. Et elle est un peu plus compliquée, la situation à l'île Maurice. Voilà, donc, par rapport aux règles que cela met en place, là, il y a beaucoup de personnes qui crient. Et puis, l'île Maurice, nous l'avait vu pendant que nous étions en pleine période de Covid-19. Ça nous avait fermé les frontières, c'est vrai. Mais on avait vu quand même pas mal de grosses manifestations l'été. L'été en place là-bas, ben, t'es manifeste beaucoup avec des milliers de personnes qui étaient descendues dans les rues. Ben, ça aussi, Néna, un petit souci, m'y pense, un petit problème, hein, qui a fait que le Covid-19, là, a augmenté d'un seul coup dans notre pays là-bas. Hein. Et puis, pas tous les pays disent la vérité sur la situation de notre pays. Ben, si ça dit ça, dit tout aussi, ben, ils qu'à mettre les autres dans le malisé, hein, et personne n'y risque plus de trop venir chez autres là-bas pour profiter du tourisme, hein, dans tous les pays. Comme ça, il annonce des chiffres que les pas. Mais je dis pas Maurice annonce des chiffres les pas bons, hein. Mais je dis comme tous les pays annoncent des chiffres que les pas bons. D'ailleurs, à la fin du journal, à la fin de ce causé, si on avait le temps d'en parler un petit peu là-dessus, puisque m'avait fait un petit causé là-dessus, là. L'île Maurice, donc, il reçoit les 100 000 doses de vaccins chinois, la Sinopharm, hein. Depuis jeudi, a reçu ça. Donc, Mana va commencer à vacciner Azote. Et puis, Nena aussi, 500 000 doses de ce même vaccin-là, chinois, va permettre à Azote de poursuivre cette campagne de vaccination et de vacciner environ plus de 700 000 personnes clés atteintes de ces affaires-là. Donc, il faut regarder, suivre un petit peu. Hein. Et puis, nous, toujours en solidarité avec notre bonne Dallon, mauricien, mauricienne, qui regarde à nous souvent le matin. Et voilà, donc, sur Facebook, surtout sur la télé. Mes autres, mes saluts à Zot, hein, donc, voilà. Les régionales et départementales n'aura bien lieu, hein, m'y parlait ça en tout début de se causer la réunion, aura bien lieu le 20 et le 27 juin avec une campagne de politique que maintenant on est en train de mener. C'est compliqué pour ça, il n'y a plus trop aller dans le chemin, qu'on ramasse de monde monter la case de monde de bas, fait porte à porte, c'est compliqué. Hein. D'habitude, comme ça va, il s'en va au moins 10-15, ben là, il fané un peu dans le chemin là, au coup, il court partout, avec ce pourrier papier, peu donne de monde, peut essayer d'expliquer vite fait, il marche vite, seulement, il fait ça vite fait comme ça, mais là, Covid, la calazote a un coup là, donc il n'y a plus trop courir dans le chemin, donc on aura peut-être des voitures sono des voitures sono peut-être va commencer bientôt, hein. Va commencer à faire aussi avec cette nuisance qui fatigue la tête de monde. Donc, la course aux élections, donc, les partis. Déjà 6h15 minutes sur télé créole. D'ailleurs, on n'entend pas trop parler, les hommes politiques, et nous attendons tout simplement que Manaï annonce que Zati doit. Il annonce que vous allez mettre votre candidature à jour officiellement, c'est tout, hein, sans plus. Nous va passer du côté du volcan avec trois bouches ouvertes de l'autre côté là-bas, le volcan qui perd
peut-être un peu de son intensité et les bouches, ils commencent à faire des bras en plus de rivières, de laves, très jolies à voir, surtout le soir. Ils voulaient montazote un petit peu ce qu'ils voulaient sur la caméra de l'observatoire volcanique. Donc le lien, le problème, c'est que il marche pas du tout. Pourquoi? Parce que en là-bas, on a des nuages, la pluie tombe, il voit pas du tout la caméra. Et puis en plus, il fait noir un peu grand matin, il fait noir. Voilà donc pour le volcan. Et oublie pas aussi que cette semaine, le préfet, la Diazot, il s'est pas pique-niqué, bivouaqué, on est là-bas, il a interdit. Donc, faut faire très attention, hein. Les restrictions, ils comptent pour tout le monde, hein. Ils veulent aller faire du tourisme. Connais de Réunion, on est là-bas pour regarder volcans, mais que vous faire? Il peut pas faire autrement, il peut pas faire autrement. Nous allons passer aux JO de Tokyo, les 100 jours qui restent là pour vous autres fait les Jeux Olympiques. Donc la flamme olympique, apparemment ils traversent le Japon, tout ça avec des sportifs du monde entier. Maintenant il y a des entraînements qui sont assez costauds un peu partout dans le monde. Mais il y a un gros mais qui arrive avec ces affaires-là, c'est que l'Inde aussi participe à toutes ces bonnes affaires-là. Il y a des matériaux à acheter de l'autre côté là-bas aussi, hein, inquiète pas, pour arranger les bonnes structures, finaliser. Hein. Donc l'Inde a enregistré jeudi un nouveau record de contamination de Covid-19. Hein. Il risque de devenir l'épicentre épidémique de ce Covid-19. Hein. C'est comme le cyclone qui arrive, ça balance un peu partout. Et ça y menace, ce pandémie-là, il menace, bien encore une fois, les Jeux Olympiques. Voilà, donc déjà reporté de 1 an, donc t'es prévu en 2001, 2020, donc là, machin. Avec 200 000 nouveaux cas de Covid-19, a été enregistré au cours des dernières 24 heures dans l'Inde, hein, le pays, en Inde, nous, il y en a quand même 1,3 milliard de moon d'habitants. Hein. Lundi, il était au deuxième rang des pays les plus touchés au monde de ce Covid-19, juste devant le Brésil. Avec un nombre de contaminations que l'a doublé depuis le mois d'avril. Après, nous allons passer au président de la République, au président Joe Biden. Là-bas, c'est pas la République. Là-bas, Joe Biden, là-bas aux États-Unis, le président des États-Unis, l'a confirmé mercredi 14 avril son intention de retirer à lui, de retirer des troupes sans condition là-bas du côté de l'Afghanistan, hein, d'ici le 11 septembre. Les partis n'ont pas pour c'est une décision que lui dit, vous allez partir en Afghanistan pour une affaire que l'a se passé le 11 septembre là-bas, des attentats où ça a détruit les immeubles, les grandes tours là. Et donc, elle a fait des centaines de morts et elle a voulu toucher Al-Qaïda, elle a voulu toucher là-bas, hein, les États-Unis. Hein, et puis, rappel à Zot, c'était Ben Laden qui était à l'instigation. Et Joe Biden, il dit lui-même que comme Ben Laden a longtemps là, fini radicalisé, fini mort. Donc, le 11 septembre, il va laisser un petit peu derrière, va rester dans la mémoire. Mais ça ne veut plus les troupes américaines là-bas du côté de l'Afghanistan là-bas. Il dit que c'est un perte de temps, c'est un gaspillage d'argent. Et puis ça il peut, voilà. Donc en 2021, c'est un affaire que les plus d'actualité pour Joe Biden, c'est des milliards de dollars que les dépensés pour pas grand chose, achève Kiné 2-3 machins. Donc je préfère laisse les bonnes terroristes s'ils existent de l'autre côté là-bas en Afghanistan. Et mais après, sur un sens, il a raison aussi, vu que avec les contrôles sanitaires, avec Domungue qui a pu voyager, puis l'avion il sort du côté de l'Afrique pour aller aux États-Unis, les contrôles sanitaires est tellement strict avec voilà, donc là c'est compliqué aussi, hein, même que il retire son main de troupe, il fera pas grand chose, hein. Ben là, peut-être, s'ils ont envie d'entretuer eux par eux-mêmes, donc ils doivent faire ça. Et puis, il nous va parler aussi du Covid-19. Il dit, dans les actualités, on entend un petit peu partout dans certains médias, de dire faire attention au classement, le classement est assez trompeur. Hein. C'est-à-dire, il dit que la France, il est parmi les pays, les meilleurs pays à être vaccinés. Ces autres qui, les au-dessus de toutes les affaires, arrive à faire pas mal de choses. Il faut faire très attention au bon classement, les partager sur les bons réseaux sociaux. Hein, il dit que la France est en
Léa, les autres pays, les en dessous, ou les autres, certains pays, les meilleurs. Bon, il faut faire très attention à ça, parce que maintenant, ils classent pas comme qu'il faut les bons pays. Maintenant, ils prennent des pays où ça, le taux de Covid est très haut, et vraiment haut, et ils mettent, par exemple, la France, il y en a un exemple, hein, il y en a 100 000 cas de Covid-19, s'il y en a 100 000 morts, ben, va dire que l'autre pays, là-bas, il y en a 300, 400, 500 000 morts, l'autre pays, il est supérieur à celui de la France, ce qui met à la France au-dessus du classement, mais alors que c'est pas la vérité, alors qu'on a d'autres pays les plus faibles que la France dans le classement de cette histoire de Covid-19-là, classement des pays les mieux vaccinés, les mieux entretenus, hein, donc la France, c'est pas le premier, faut que Banaï arrête de dire ça, un petit peu, de dénigrer un petit peu les autres pays. Donc c'est ce que nous avons vu là, c'est un communiqué que des experts de l'AFP qui avaient fait ça. Hein. La France est bien des pays, elle a bien distribué plus de doses dans le monde, hein, mais elle est loin d'être le meilleur en taux de vaccination en pourcentage de son population. Donc là, il faudra bien regarder aussi. Après, nous, on est là aussi à Saint-Pierre, une pétition que m'avait vue en jetant un coup d'œil, là, elle a passé un petit peu en catimini en dessous, hein, me dire, oh, ben, journal, cause pas trop ça, parce que vous en avez aussi la pub pour gagner dedans, et puis la télé, cause pas trop non plus, parce que vous en avez peut-être aussi à gagner aussi dedans, vous ne connaissez pas, nous, cause, parce que bon, ben, nous cause, parce que c'est l'actualité, hein. Donc, une pétition en ligne circule contre plusieurs constructions de fast-food à Saint-Pierre. Là, nous, là, les deux grands clés ici à La Réunion, clés dans les ronds-points, et ils foutent des embouteillages pas croyables. Maintenant, sur le boulevard Belle-Île, bah, apparemment, la commune a décidé de mettre ensemble ces bonnes fast-food-là, achève créer ces bonnes fast-food-là. Et ben, je ne pense pas qu'on en a aussi des petits bars, des petits snack bars, les côtés partout, ils fleurissent sur la plage, tout ça là. Bon, ben, ça a tué ça. Hein, après, les commerces de proximité, ça gagne bien. Bon. Donc, manifestation, la pétition elle est en ligne là, pour aller signer justement contre les fast-food à Saint-Pierre. Fatigué, fait manger à nous un peu de manger gâté, ils sortent dehors, les pas bons du tout, hein, des produits industriels, voilà. Donc, ben peut-être aussi que les produits, ces fast-foods-là, les faits pour les futurs touristes qui arrivent à La Réunion, ils ont besoin des autres fast-food, ils manquent à autres. Bon, ben peut-être ça a besoin ça aussi sur le boulevard là. Un petit truc à bien réfléchir. Hein. D'un côté, il y a nous manger, bouger, quoi dessous, fais bien ça. Il faut faire très attention à ça. Et voilà, d'un autre côté, il y a nous comme ça, allez manger fast-food là-bas. Bien manger, bien boire. Alors, dans nos télé, dans les trucs, il y a nous des régimes, nous te manger pas bon, nous te carie trop gras, nous te ici, patati patata. Et le contraire, se passe par derrière pour vendre des affaires. Donc, faut dire ça, arrête un peu avec ça, hein, parce que il va prendre à nous pour de couillons vraiment à la fin. Voilà en gros les affaires. Puis il y en a des travaux aussi là, madame Zotel 2 là, parce que ça n'a fait fatiguer mon esprit à chaque fois, mis travers un chemin là-bas, mis voit ça, mis bah, les feux tricolores, que maintenant ils mettent des petits feux, des portatifs là. Mais franchement, me dit, bon, Bouglet devrait travailler un peu la nuit, hein, parce que ils pensent que nous autres qui pourra arrêter toute la journée fatigante. Hein. Alors, les prix là-dedans, en plus, des fois, les longs, ces feux, on a une queue pas possible, hein, ou sinon ça les fait tellement court, à peine deux voitures passées, paf, il éteint, on passe de l'autre côté. Ah, ou gaspille l'essence, on reste en dedans. Bon. Il faut faire bien des travaux pour passer des plumes optiques. Bon, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Ne pas sauver. Hein. Raccordement souterrain traversé, il traverse la chaussée là, du côté de Sainte-Suzanne, centre-ville, travaux de raccordement souterrain avec, à lui, il a fait la nuit, vendredi, jusqu'au vendredi 7 mai, hein, nous on a ça, entre 20h et 5h. Encore un bougla compris qu'il fallait faire ça la nuit là-dedans, là. Sinon ça, les autres, c'est la journée à vitesse, les à 30 km/h, tampon, pleine des caves, travaux de construction de parapet, mieux de parapet là-bas. On a des travaux de 7h jusqu'à 16h, jusqu'au vendredi 16 avril, donc jusqu'à aujourd'hui même. Donc nous on a ça, donc c'est des embouteillages encore plus, de l'essence gaspillée, surtout le prix de l'essence a bien augmenté après trop longtemps. Après la plaine des Palmiers, route des plaines, on a des travaux sur le réseau d'eau potable là-bas, là, à la petite plaine, jusqu'à le 31 mai, de 7h30 à 6h. Vous avez monté à Thierba, la Calazote, hein, ben après, allez, bonheur, une heure de temps, hein. Saint-Leu aussi, on a aussi dans la nuit, hein, sur des travaux, et puis on a aussi la route du littoral, on a des changements de blocs là, les prévus pour aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc un petit peu
un petit peu machin. Alors. Nous voulions parler d'autre chose. Là, nous allons parler lundi, parce que le temps, il file vite. Il est déjà 6h25. Nous passons au Cosmont La Réunion. Dans le Vieux-Marmite, il fait bon carré. Alors, ça, c'est un Cosmont, Gramont l'a dit. Dans le Vieux-Marmite, il fait bon carré. Mais à bien méditer aussi. Hein, dans le Marmite, c'est trop assez. Il n'a pas fait bon carré dedans. Donc, point bon, un Vieux-Marmite, encore bon. Nous, on va faire un petit point sur la météo vite fait là. La Réunion, le matin, sera couvert par place. La pluie, elle est prévue. Et nous avons aussi prévu de la pluie toute la journée aujourd'hui quasiment, hein, sauf le matin, deux places d'un nuage. Mayotte, la pluie le matin comme l'après-midi, et puis Maurice, la pluie est prévue le matin et aussi toute la journée. Voilà pour ce causer la Réunion. J'espère que vous avez passé un bon week-end. N'oublie pas que tout à l'heure, à partir de 9h, on est là. L'émission Kosaï mange Zordi, hein, bon carré pour vous ce week-end-là. Et puis dimanche, nous les ensemble hein, avec l'ambiance familiale. Ambiance familiale. Et mi remercie à vous déjà les messages que vous avez déjà envoyés à moi, les PMA, à moi de préparer déjà l'émission du dimanche 06 92 006 157. Pour cette émission du dimanche. Voilà, l'émission l'a fini. Miro, merci à toutes, mes azotes. Tiens, beau serré, largue pas. N'y retrouve nous dimanche matin pour l'ambiance familiale. Et puis sinon, ça tous les matins entre 6h et 6h25 pour le causer. La Réunion, n'y retrouve. À bientôt.